Bienvenue au chemin de vie 8 pour ce nouveau numéroscope ici sur ma chaîne. Cette nouvelle formule, je vous invite à aller regarder dans la page accueil de ma chaîne l'introduction. Hein, et sous chaque vidéo, dans le déroulé, je vous mets l'addition en fait et la soustraction d'ailleurs aussi à faire pour trouver votre chemin de vie. Mais bon, si vous êtes ici, je pense que vous savez comment faire. Voilà. Je vais commencer par la vibration du mois d'avril pour vous, numéroscope 8. Pour les numéroscopes 8, pour le mois d'avril, quelle est votre vibration? Ah, ce mois d'avril, nous sommes au printemps. Alors, votre vibration, ici, les cartes des anges de Dwayne Virtue vous dit que ce sont les chakras auditifs qui sont à l'œuvre. Donc, notez les messages qui vous parviennent à travers le son, la musique, la nuit aussi lorsque vous dormez, qu'il soit de source externe et résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc ici, ce que je comprends... Vous pouvez aussi voir ce que vous en comprenez. Hein. Voilà. Mais j'ai envie de dire ici qu'en fait, les messages, les réponses à vos questions, aux questions qui vous, qui vous trottent dans la tête, eh bien, c'est plutôt par clairaudience ça vous arrive par clairaudience et peut-être aussi par rêve. Vous voyez, ou lorsque vous faites une sieste l'après-midi, ensuite vous avez comme ça des idées nouvelles, hein, des solutions qui viennent à vous. Alors, un complément pour les 8, pour le mois d'avril, ce sont des cartes personnelles pour le mois d'avril, pour les 8 numéroscopes 8. On me dit ici que la route est encore longue. Je ne sais pas ce que vous avez décidé pour votre mois d'avril. En tout cas, prenez la route, mais sachez que bah, voilà, quoi, vous n'êtes pas encore à la fin. Hein. Il y a du chemin à faire, quelles que soient d'ailleurs vos intentions, votre souhait, votre désir. Il y a ici une vibration de prendre la route et un conseil de développer votre clairaudience, selon moi. Alors, nous allons passer dans le vif du sujet avec le tarot cosmique. Allez, pour les 8, pour leur mois d'avril, le mois d'avril des 8. Des numéroscopes 8. Numéroscope 8. Oups. Numéroscope 8. Numéroscope 8. Moi, je crois que je vais plutôt la mettre là. Je le sens comme ça. Hein. Désolée. Je fais au feeling. Numéroscope 8. Pour ce mois d'avril. Pour numéroscope 8. Les cartes. Qu'avez-vous à nous dire pour les 8? Les 8, les numéroscopes 8, comment vont-ils vivre ce printemps-là, mois d'avril? Et une carte pour le milieu. Ah, c'est la fête en milieu, je crois. Donc voilà. Alors, vous sortez de ce mois de mars avec plein de, j'allais dire plein de plans sur la comète. Hein. Bon, je serais un peu méchante de dire ça.
Je crois plutôt que vous avez bien affiné les choses, hein, que vous avez tout paramétré, tout réfléchi, si je vais là, après je vais là. Vous voyez la route longue ici, là, hein, c'est pas un hasard. Hein, parce que homme ou femme, ici c'est un homme sur la photo, mais homme ou femme ici, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi à sa situation, qui a bien réfléchi ce à quoi il avait envie de faire, décidé de faire, quitte à trancher dans le vif, ça prend des décisions, ça ne veut pas rester comme ça, j'allais dire enfermé, mais bon voilà, on en est tous, puisqu'on est fin mars, là. Oui, vous avez planifié, là, vous êtes un planificateur né, vous êtes, comment je dirais, un vainqueur, hein. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur, hein. Quelqu'un qui veut aller vite maintenant, hein. Ça a assez duré, hein, quelque part. Ça, c'est vraiment d'où vous sortez. Ah, ben, il y a deux cartes ici, mince. Il y a deux cartes, hein. Donc, celle-là, elle était à l'envers. Celle-là, elle était à l'endroit. C'est un peu comme un rappel pour nous dire que, bon, ben, c'est bien de débuter quelque chose, mais encore faut-il équilibrer un peu les finances. Et c'est d'ailleurs ce que vous vous dites, hein. Je pense que dans votre tête, vous gardez en vue cela, hein, le côté finance, le côté équilibre. Je veux aller là, je veux faire ça, ensuite je fais ça. Mais bon, combien ça va coûter, comment je vais m'y prendre, hein. C'est bien dans votre tête, hein, vous ne perdez pas le nord, on va dire. Vous avez la tête froide, homme ou femme. Les 8 pour ce mois d'avril, vous êtes quelqu'un, pas de stratège, mais quelqu'un qui organise son retour sur scène, sa sortie de scène, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, vous avez planifié des choses, vous voulez faire des choses, vous les allez avancer, vous allez les faire, vous êtes en dynamique, vous êtes en plein d'idées, ça germe, ça germine, ça. Je vous dis, ça va à 100 à l'heure là, et vous allez réussir à garder cet équilibre d'ailleurs, hein. Je ne vous dis pas que ce sera facile, facile, hein, parce que vous n'êtes pas. Je vois pas ici quelqu'un de super argenté, donc vous me direz, hein, mais vous allez vraiment faire les choses d'une manière presque chirurgicale, hein. Chirurgical. Si vous avez un travail, bon, c'est possible, hein. Vous êtes peut-être livreur. Si vous êtes livreur, bon, ici, ça pourrait bien être un livreur. Ouais, vous pourriez être dans la livraison. Quelqu'un qui se déplace, un commercial peut-être aussi. En tout cas, que vous travailliez ou non, vous allez prendre un envol. Vous allez prendre votre envol parce que voilà, vous êtes impétueux, ça a assez duré. Vous êtes quelqu'un de libre, vous pouvez pas rester, vous ne pouvez pas rester sur place, hein, c'est pas possible. Et vous allez réussir à maîtriser tout ça, hein, je vous avais dit déjà, hein, votre préoccupation, c'est les finances, l'équilibre, équilibrer les finances pour arriver à votre but, à vos buts même, parce qu'il y en a plusieurs. En tout cas, l'évolution, c'est que vous allez maîtriser, vous allez réussir. Vous allez maîtriser les situations, je peux vous le dire. Ah, c'est à l'envers ici. Donc peut-être qu'ici, comme c'est un enfant. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être ça ne suit pas aussi vite que vous le voudriez, peut-être à la maison par rapport à la famille, c'est possible. Votre épouse, si vous en avez une, votre petite amie, votre copine, peut-être que c'est là où le bât blesse, c'est possible ça. En tout cas, vous allez de toute façon être obligé de tempérer, hein. Tempérer votre fougue, je veux dire. Oula. Il y a un risque
pas au mois d'avril, mais après, l'après-avril, il y a un risque de... J'aime pas dire accident, mais... Il y a un risque de déception, je dirais ça comme ça. Il y a une déception peut-être qui... qui laissera un goût amer, quelque chose, peut-être qu'on ne vous suivra pas, hein, peut-être qu'il y a des personnes à qui vous tenez qui ne suivront pas vos plans, c'est possible. Vous avez une belle énergie, vous avez des bons plans, vous avez l'énergie en tout cas pour y arriver, vous allez maîtriser les situations. Mais tout le monde ne va pas vous suivre, vous voyez. Tout le monde n'est pas aussi rapide que vous, je dirais. Tout le monde n'est pas aussi incisif que vous. Tout le monde n'est pas aussi, vous voyez, c'est encore le même qui sort, hein. Tout le monde n'est pas aussi fort mentalement que vous. Vous comprenez ça? Donc, à vous de voir à quoi cela vous renvoie, si ça vous parle. Il y a peut-être risque d'incompréhension, peut-être risque d'avoir des personnes ou une personne qui ne vous suivrait pas et donc ça causerait catastrophe, accident, séparation, que sais-je. Donc ici, on vous dit, le 4 de Raphaël vous invite à chercher d'autres possibilités, à regarder le côté magique de la vie et à prendre conscience de vos émotions. Peut-être par rapport à un enfant, hein, c'est bien possible parce que moi, je trouve que cette carte ici, d'abord c'est un page, donc c'est toujours, si ce n'est pas un enfant, alors c'est le page de quoi? Ouais, ça peut être une jeune fille. Hein. Une petite fille, vous voyez, un enfant. Donc prenez garde à cet enfant. Si vous avez un enfant. Parce que c'est peut-être là où le bât blesse, justement. Si vous êtes parent. Sinon, si c'est pour vous, ça peut être aussi... une invitation à... Mais je ne pense pas que c'est vous, parce que ici vous apparaissez comme quand même quelqu'un de certes fougueux, mais qui veut maintenant accélérer, hein, donner un coup d'accélérateur à sa vie, à ses envies. Mais vous êtes quand même quelqu'un de posé, qui a mûrement réfléchi. Je ne pense pas que c'est vous. Vous voyez, ça peut parler de quelqu'un d'autre, d'un proche. D'une épouse, d'un époux, vous voyez, qui a ce côté un peu enfantin, immature, vous voyez. Ouais, vous avez la force avec vous. Vous avez la force avec vous. Certes, faut pardonner, hein, aux gens qui ne suivent pas, qui ont peur, qui n'ont pas votre fougue, qui n'ont pas votre force. Vous avez une force de caractère, vous avez une force mentale, mentale. Vous avez une force mentale à toute épreuve, donc n'en voulez pas aux gens qui ne vous suivraient pas. Pardonnez, pardonnez-leur. Mais en tout cas, vos actions, ici, c'est protégé. Vous avez en ce mois d'avril la possibilité de faire en sorte que votre rêve devienne réalité. Croyez en vous, du coup, hein, parce que c'est la fin d'une situation difficile pour vous. Hein, là bientôt, même si c'est pas complètement au mois d'avril. Donc c'est peut-être une femme aussi, hein, c'est peut-être une femme qui a plus besoin de réfléchir, de méditer, voyez, qui va être peut-être différent, ou une vibration. Moi je vous parle de ça, mais c'est peut-être une vibration, vous voyez. Là là, mais oui. On me parle quand même d'enfant.
si vous êtes une père de famille, une père de famille, n'importe quoi, une mère de famille ou un père de famille, je vous invite à vous en occuper, quoi. Parce que ils en ont besoin, parce que ici, ils en ressortent. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. On n'a rien sans rien, pour moi ici, ça a un rapport avec ce qui va vous tomber dessus incessamment sous peu. Moi, je pense que c'est plutôt vers la fin, soit vers la fin du mois, ouais, plutôt vers la fin avril, voire après, un peu comme quelque chose, voilà, ça s'écroule, c'est un accident, mais je ne vous dis pas que c'est un accident de la route ou quoi, hein. Je vous dis que peut-être un couple, peut-être quelque chose que vous aviez entrepris et puis ça ne marche pas parce qu'on ne vous suit pas, parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Ce n'est pas votre rêve, parce que votre rêve ici dit que c'est voilà, que c'est positif, que c'est ok. Donc ça ne peut pas être ça. Non, non, il est temps maintenant de concrétiser tous vos projets là, que vous avez mis du temps comme ça à mettre en place, à essayer d'équilibre, etc. Allez-y, foncez. Mais bon, acceptez si vous voulez que tous ne vous suivront pas, acceptez que la route, bah, elle va être peut-être un peu plus longue que prévu, acceptez cela, parce que si vous acceptez cela, les bases, elles sont là, elles sont bonnes, vous avez toutes les capacités pour réussir, pour y arriver, sauf que peut-être vous voulez entraîner des gens ou des choses avec vous, et puis bah, ça va pas être possible, vous voyez ce que je veux dire. Attendez, je vais quand même tirer ici, j'aimerais bien qu'elle tombe, mais elle tombe pas avec vous, alors je suis obligée de l'enlever. Ouais, faites ce qui dicte votre cœur, même si pour cela il va falloir abandonner, voire détruire des choses, des relations, un travail. Vous voyez, la réussite passe par le compromis, hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ici, là? Hop. Financier, ça, vous allez très bien maîtriser la chose, hein. Si c'est une inquiétude, et eh ben ce n'est pas la peine que cela perdure, parce que vous avez bien programmé les choses. Félicitations. Niveau sexuel, est-ce que vous avez une vie sexuelle? Ouais, bah de ce côté là c'est plutôt douloureux, on va dire. Ouais, c'est plutôt douloureux. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est des cartes, je ne vais pas trop montrer parce qu'elles sont un peu hardes. Et que c'est une chaîne libre d'accès, hein, ces vidéos-là. Donc, un message. Un dernier message pour les 8, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. La joie est votre force. Voilà, bah, tout est dit. La joie est votre force. Que voulez-vous d'autre, hein? Je vous ai dit, vous avez cette capacité, cette force d'esprit, là, de votre mental, il est comme l'acier. Alors, eh ouais. Non, non. Vous allez, il y a des personnes qui vont être ralliées à votre cause, hein, il n'y a pas de souci là. Mais peut-être pas celle, pas tout le monde, pas toutes les personnes que vous vouliez, par exemple. Peut-être par moment allez-vous manger du pain seul sur la route. Oui, c'est possible. Mais il y a des rencontres. Et puis c'est une bonne étoile pour vous. C'est des bonnes décisions. C'est un bon projet. C'est non, n'abandonnez pas. Si vous avez une question précise, quel que soit le domaine, posez-la. Mettez en pause si nécessaire. Et je vais retourner cette carte pour vous donner la réponse.
Alors, on vous demande de lâcher prise. C'est vous qui savez à quoi cela fait allusion. Et maintenant, pour terminer, un message avec mon livre accordéon. C'est un cahier en fait qu'on m'a offert et j'ai écrit, créé des messages à l'intérieur. Et d'ailleurs, suite à ce cahier, j'ai publié Messagiel Livre Oracle. Ces messages-là sont là, mais il y en a plus, bien sûr, là-bas. Allez, un message pour le 8, pour le mois d'avril, et ça couronne ce tarot. Allez, un message pour le numéro 8, chemin de vie 8, pour le numéroscope 8, pour le mois d'avril. Ça va couronner ce numéroscope 8. La longévité a du bon pour peu que l'on sache quoi en faire. Bah écoutez, revenez en arrière si vous n'avez pas compris le message. Il est très explicite. Il va très bien avec cette déception, je vous ai dit là au début. Ça pourrait expliquer d'ailleurs. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé ce numéroscope et je vous invite à revenir le mois prochain. Merci beaucoup. À bientôt.